Le chant saturé, il n'y a pas à dire. C'est quand même quelque chose qui, quoi qu'il arrive, intrigue, surprend, plaît ou déplaît. Ça laisse personne de marbre, c'est clair. Et comme toute autre technique de chant, ça nécessite une maîtrise vocale, technique, vraiment aux petits oignons. C'est le petit oignon. Au risque de ne pas performer, ou en tout cas d'avoir un son pas très intéressant, voire même pire, au risque carrément de se blesser, légèrement, voire même très gravement. On a tendance à croire que ce type de chant est réservé aux grosses brutes, mais depuis quelques années, on voit surgir quelques chanteuses, notamment dans le métal, vraiment impressionnantes vocalement, et qui n'ont rien à envier aux gros bourrins de Cannibal Corpse. Cette pratique vocale, elle a très longtemps été relativement isolée et les profs de chant saturé se sont fait rares pendant quelques dizaines d'années. Bien heureusement, ça a tendance à changer et on voit pulluler un petit peu partout en France des profs de chant franchement au taquet, sérieusement performants pour ce qui est de la pédagogie du chant saturé et franchement c'est tant mieux. Et pourtant, pour maîtriser au mieux le chant saturé et pour éviter de se blesser dans cette pratique-là, la technique vocale suffit pas. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il est en train de raconter? Tout se passe ici. Eh bien non, pas du tout. Ah ! Le chant saturé, c'est une technique vocale qui nécessite certes une grande maîtrise de l'utilisation des cordes vocales, mais pas que, aussi de celles qu'on appelle les fausses cordes vocales, les bandes ventriculaires, je pense que ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Mais il y a aussi une nécessité de maîtrise hyper importante au niveau abdominal, au niveau diaphragmatique, et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui avec l'exemple un peu cas d'école de Chester Bennington. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Rocking Care. Moi c'est Xavier, je suis kiné, spécialiste des musiciens et des chanteurs, et on va essayer de comprendre ensemble à quel point la maîtrise du chant par la sollicitation abdominale est importante pour pas se flinguer les cordes vocales et à éviter d'autres problématiques comme les hernies hiatales par exemple, en illustrant tout cela avec le parcours de Chester Bennington, le chanteur de Linkin Park. Personnellement, la musique de Linkin Park, c'est le lycée, c'est mon adolescence, et quoi qu'il arrive, j'ai une certaine affection particulière pour leurs deux premiers albums, Hybrid Theory et Meteora. Et pour le coup, même si j'ai un petit peu lâché le groupe en cours de route, bien que les derniers albums m'ont pas si déplu que ça, je dois dire que le décès de Chester Bennington, c'est quelque chose qui m'a marqué, au moins autant que le décès de Chris Cornell. Pour moi, ça a vraiment été la fin d'une époque, ces deux décès, non pas juste par la disparition de ces deux personnes-là, mais aussi par tout ce que ça cristallisait de la fin d'une certaine génération et de certaines mouvances du rock. Et au-delà de ces problématiques plutôt d'addiction et mentale, eh bien, peut-être que vous avez eu vent des quelques problèmes de santé que Chester Bennington a eu le long de sa carrière et qui expliquent a priori certains choix de direction artistique des albums qui ont suivi les trois premiers avec un chant un tout petit peu moins dans la direction de la saturation et du screaming. Parce que, au-delà de tous ces problèmes de santé, finalement, Chester Bennington, il n'était pas connu pour avoir beaucoup de problématiques vocales à proprement parler. Bien sûr, comme beaucoup de chanteurs de cette trempe qui sont sur la route toute l'année et en concert quasiment un jour sur deux, la fatigue vocale s'est fait sentir à certains moments et a nécessité qu'il annule certains concerts. Mais le problème dont on va parler ici, il est beaucoup plus profond que ça et il a beaucoup plus gêné Chester Bennington dans ses performances. Et cette problématique, c'est la hernie hiatale. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une hernie hiatale et quel rapport avec le chant saturé? Eh bien, simplement, une hernie hiatale, c'est un bout de l'estomac qui passe dans un endroit où il n'a rien à faire, c'est-à-dire dans un orifice dans le diaphragme. Et ce mauvais placement de l'estomac, eh bien, il va créer une anomalie au niveau du clapet du haut de l'estomac qui va laisser libre cours au suc gastrique et leur permettre d'envahir de temps à autre l'œsophage
voire même créer des problématiques de nausées très fortes et de vomissements. Pourquoi j'ai choisi d'en parler aujourd'hui ? Parce que potentiellement, cette problématique-là, elle peut toucher bon nombre de chanteurs en chant saturé si la technique abdominale du chant saturé, la technique respiratoire du chant saturé, n'est pas optimisée et crée trop de pression sous-glottique et de pression médiastinale. Le médiastin, c'est quoi ? Eh bien, c'est simplement l'étage au-dessus de l'abdomen, le thorax en quelque sorte, si on veut schématiser. Là où cette problématique s'est le plus cristallisée, c'est durant la tournée de Meteora, où Chester Bennington se plaignait d'avoir des problématiques gastriques systématiquement, avec des nausées incessantes et des vomissements carrément pendant ou après les concerts. Mais vous me direz, peut-être que cette hernie hiatale, elle a rien à voir avec le chant saturé. Eh bien très franchement, moi je suis assez convaincu que la façon de chanter de Chester Bennington a vraiment joué et dans l'apparition de cette hernie hiatale et dans ses problématiques de tournée, de nausées et de vomissements. Oui, parce que l'une des clés du chant saturé, c'est d'apprendre à se servir des bons abdominaux pour chanter. Oui, parce qu'en fait, on a plusieurs options au niveau abdominal pour expirer, pour chanter, pour expirer sous pression précisément. Et d'instinct, quand on veut avoir un chant en puissance, tel que le chant saturé, on va plutôt aller chercher, bah, simplement intuitivement, le muscle abdominal le plus puissant qu'on a à disposition, à savoir le grand droit de l'abdomen. Typiquement, c'est les abdos qu'on appelle la tablette de chocolat. Et le problème de ce muscle-là, c'est que certes, il a de la puissance, certes, il va pouvoir vous permettre d'expirer, de chanter avec volume et puissance, mais par contre, il ne sait pas faire les choses à moitié. C'est-à-dire qu'il va systématiquement envoyer énormément de pression au-dessus de lui, que ça soit au niveau des cordes vocales ou du système digestif. Et à force de solliciter ce muscle-là, on peut vite avoir des problématiques, certes, de fatigue vocale, mais des choses beaucoup plus graves, beaucoup plus gênantes, telles que des nodules sur les cordes vocales, mais aussi la hernie hiatale, celle-là même dont Chester Bennington a beaucoup souffert. Et c'est allé assez loin cette histoire de hernie hiatale pour lui. Il a été hospitalisé 2 fois, notamment l'une pour une infection avancée assez grave au niveau gastrique et œsophagien à cause de l'agressivité des sucs gastriques sur la paroi œsophagienne. Ça aurait pu très mal finir, heureusement il a été pris en charge suffisamment à temps et comme il faut, et il a fallu à un moment donné qu'il subisse une intervention chirurgicale pour régler cette problématique de hernie hiatale. Alors qu'habituellement, pour quelqu'un de lambda, on administre un traitement médicamenteux pour ça, mais on va rarement jusqu'à l'opération. C'est dire à quel point chez lui c'était prononcé et à quel point ça devait le gêner. Et même si l'opération règle une grosse partie du problème, on ne recouvre pas toutes ses possibilités, quoi qu'il arrive. Et il est très probable que les disques qui ont suivi ont cette teinte un petit peu moins saturée, un petit peu moins violente dans le chant, tout simplement parce que Chester Bennington n'était plus physiquement capable de donner autant, ou en tout cas, c'était probablement déconseillé par le corps médical. Alors, quelle aurait été la solution pour éviter, prévenir, ou en tout cas, en dernier lieu, diminuer cette problématique de hernie hiatale ? Eh bien, simplement d'utiliser le « bon muscle » entre guillemets abdominal pour chanter avec la bonne pression, qui ne crée pas trop de contraintes sur les cordes vocales, ni sur le système digestif. Et le bonus en prime, c'est que vous allez y gagner en endurance et y gagner en justesse, en clarté de votre chant si vous utilisez le bon muscle abdo. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, d'instinct, on va plutôt utiliser les muscles abdominaux les plus puissants, à savoir le grand droit de l'abdomen. Parce qu'intuitivement, c'est le chemin que le cerveau va prendre d'emblée, parce que c'est le plus puissant, et peut-être aussi parce que c'est le plus facile à solliciter. Mais en réalité, le gros du travail vocal devrait toujours se faire grâce à un autre muscle abdo, beaucoup plus profond, qu'on appelle le muscle transverse de l'abdomen. Ce muscle transverse de l'abdomen, il est situé plutôt sur vos flancs, par rapport à un grand droit de l'abdomen qui lui est vraiment strictement frontal sur l'avant de votre abdomen, en dessous de votre nombril. Il est plus difficile à sentir pour plein de raisons, et notamment parce que c'est plutôt un muscle configuré pour bosser de manière automatique. Au-delà de l'expiration, du chant saturé, c'est le muscle qui maintient vos viscères bien en place dans l'abdomen. Avouez que c'est quand même bien pratique. Le gros avantage de ce muscle-là, c'est que d'abord, le travail d'expi, c'est vraiment son job, ce qui n'est pas le cas du grand droit de l'abdomen. Lui, il fait le job un petit peu
par intérim, si je puis dire, et étant donné que c'est pas du tout son job à la base, ben, il envoie tout ou rien. Et c'est ça le gros problème. Alors, comment être certain que vous avez la bonne technique expiratoire, si je puis dire, non pas vocale? Comment être certain que vous sollicitez plutôt le transverse de l'abdomen par rapport au grand droit de l'abdomen? Eh bien, comme je vous le disais, ça va se passer sur les flancs. Il y a tout un tas de procédés pédagogiques pour apprendre à vous servir de ce transverse de l'abdomen. Mais concrètement, pour vous donner quelques pistes ici, eh bien, il faut imaginer que quand vous soufflez, la contraction va se passer sur vos flancs, au niveau de vos flancs, et que votre nombril, il aurait plutôt tendance à rentrer dans l'abdomen, mais avec votre ventre, entre guillemets, tout mou. Là où quand vous chantez avec votre grand droit, la tablette de chocolat, eh bien, votre abdomen, votre ventre, il va pas vraiment se rentrer, il va se rentrer un tout petit peu, mais surtout, il va se durcir sur l'avant. Quand on chante, et notamment dans le chant saturé, c'est déterminant, il faut absolument arriver à faire le distinguo entre un souffle, une expiration avec les transverses, donc une contraction sur les flancs qui écarte un tout petit peu les flancs, et une expiration avec le grand droit de l'abdomen qui durcit les abdos de l'avant, la tablette de chocolat, et qui ne sollicite pas les flancs. Ça demande un peu de travail de perception, ça demande un petit peu d'expérimentation, mais c'est une clé monumentale pour le chant saturé, que cela soit pour votre performance en termes de son, mais aussi pour vous préserver et pour tenir longtemps à la fois dans un concert et dans une tournée. Après toutes ces péripéties, il est clair que Chester Bennington a eu besoin de changer sa façon d'appréhender son chant et sa pratique vocale. Ça s'entend de toute façon, notamment dans les lives, que quelque chose a changé. Mais pas forcément en moins bien, c'est juste différent. Bien sûr, j'imagine que certains d'entre vous ne seront pas tout à fait d'accord avec moi là-dessus, n'hésitez pas à laisser des commentaires pour me parler de ce chant de Chester Bennington, mais quoi qu'il arrive, ce qui est certain, c'est que Chester Bennington ne pouvait pas continuer à chanter de la sorte avec une technique probablement inadaptée au niveau abdominal, puisque ça générait des problématiques digestives qui auraient de toute façon continué à s'empirer jusqu'à devenir réellement dramatique. J'espère que le thème de cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Rocking Care et à laisser des commentaires. Et ma foi, si ce genre de thème vous plaît, eh bien, je propose une formation sur le chant musique actuelle et le chant saturé très prochainement en février. Tous les détails de cette formation seront dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas à me contacter en direct si vous voulez un petit peu plus d'infos. Ce sera l'occasion d'aborder la technique vocale en chant saturé d'une manière un tout petit peu différente, du point de vue d'un kiné spécialiste de la musique et du chant, et non pas un orthophoniste ou un prof de chant. Chacun sa place, il n'y a pas de souci là-dessus. Ensemble, on va plutôt parler des problématiques en dessous des cordes vocales, si je puis dire. Qu'est-ce que je fais de mon dos, de mon abdomen, et comment je fais pour me préserver d'une certaine fatigue vocale et de problématiques physiques telles que celle-ci. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien.